Voilà, rebonsoir. On peut comment dire à bonsoir, on est en milieu d'après-midi Oui, il est et on se 4 heures. retrouve pour le troisième cours sur le thème de Pessard. Et c'est avec un très grand honneur qu'on est avec Ronia Chris pour traiter d'un passage de la Haggadah. Bonne étude à nous tous. Yofi, bonjour à tous. Et il arriva que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon soient présents au Seder à Bnei Brak, qu'ils discutèrent de la sortie d'Égypte toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves viennent et leur disent: Nos maîtres, le moment est venu de réciter le schéma du matin. Tous ceux qui sont habitués du récit ont bien entendu reconnu un passage de la Haggadah de Pessah. Je vous rajouterai un autre enseignement afin de pouvoir commencer mon étude. Rabbi Abba a dit: Tout le monde admet que les Hébreux furent libérés d'Égypte le soir. Il est écrit: L'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Et aussi qu'ils ne sortirent réellement que le matin suivant, bien sûr. Le lendemain de Pessah, les enfants d'Israël sortirent la main levée, mais on ne s'accorde pas sur le sens de l'expression en hâte. Selon Rabbi Eleazar ben Azaria, cette hâte, c'est celle des Égyptiens. Pour Rabbi Akiba, c'est la hâte d'Israël. Une baraïta à cette Gemara de Brachot 9 recto que je vous cite rajoute: Il est dit, l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Et la question: sont-ils réellement sortis la nuit? Non, répond-elle. Ils ne sont sortis qu'au matin, car il est dit, le lendemain de Pessah, les enfants d'Israël sortirent la main levée. On conclut donc que c'est le commencement de leur délivrance qui eut lieu le soir. Voilà une divergence de point de vue entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiba. Donc, quand est la question? Le peuple d'Israël serait-il sorti d'Égypte? Le désaccord dont nous sommes les témoins ici, dans cette citation, entre les Tanaïm pourrait être compris tout simplement, à mon humble avis, comme étant exégétique. Avec quelle hâte la Torah fait donc-elle allusion en ce qui concerne la mitzvah de manger le korban pessar, l'offrande pascale, comme on dit chez les Gaulois? La hâte de l'Égypte ou la hâte d'Israël? Selon Rabbi Elazar ben Azaria, eh bien, la hâte concerne celle avec laquelle les Égyptiens auraient renvoyé les Hébreux, alors que chez Rabbi Akiba, il est question, bien entendu, de la hâte avec laquelle les enfants d'Israël ont quitté la terre égyptienne, ou comme disait Anne Bémet, le professeur André Neher, la terre concentrationnaire. Je rajouterai dans un alinéa de côté que nous sommes conscients, vous et moi, bien entendu, que seul un cinquième est sorti, c'est-à-dire 20%. Il est difficile de ne pas voir ici un lien entre la position de Rabbi Elazar ben Azaria, voulant que la hâte soit la nuit, et la déclaration faite dans la Haggadah de Pessah, selon laquelle la sortie d'Égypte doit être mentionnée la nuit. Et Rabbi Elazar ben Azaria, vous dirais-je, semble avoir compris que l'exode essentiel d'Égypte aurait eu lieu à minuit et non ce même jour, comme nous l'avons cité dans ce traité du Talmud. Le fondement de ce désaccord, je voulais susurrer il y a un instant, et revenons un peu dessus. La position de Rabbi Eliezer ben Azaria est celle-ci. Tout d'abord, l'intervention explicite de l'Éternel dans le cours de l'histoire, selon lui, a eu lieu à minuit, quand lui-même, l'Éternel, et non un ange ou un messager, serait descendu pour frapper les premiers-nés de l'Égypte à minuit. Dieu révéla donc sa main puissante et son bras étendu. Rabbi Eleazar ben Azaria soutient donc que cette heure est celle qui marque la sortie d'Égypte. Deuxième propos, enfin, deuxième objection de sa part. C'est à minuit que Pharaon se leva et déclara publiquement la libération d'Israël de leur servitude. Pharaon et les Égyptiens
étant les maîtres d'Israël, la déclaration de libération, de délivrance, est bien celle de Pharaon de vouloir libérer les esclaves des camps de concentration égyptiens. Et Rabbi Elazar ben Azaria affirme donc que la libération d'Israël a pris effet à minuit et qu'à ce moment-là, l'heure de la consommation du Corban Pessah, de l'offrande, a pris fin. Rabbi Akiva, pour qui tout dépend de l'heure de la rédemption, entendez bien cette divergence de point de vue qui va nous emmener vers la leçon qui est la mienne aujourd'hui. Bien, Rabbi Akiva, comme je le disais, pour qui tout dépend de l'heure de la rédemption d'Israël, est en désaccord avec les deux principes que je viens de citer au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rabbi Akiva, lui, maintient le principe même que si la main, comment dirais-je, puissante de l'Éternel a été révélée à minuit, certes, par la frappe des premiers-nés, le temps de la rédemption, lui, n'a eu lieu que le jour où le peuple d'Israël, c'est-à-dire les Hébreux, se sont empressés de partir. Vous entendez ? Il y aurait le temps où les premiers-nés égyptiens ont été frappés et à partir duquel la réflexion de Rabbi Elazar ben Azaria est telle et celle de Rabbi Akiva qui dit « Certes, à minuit, il s'est passé ceci, mais la délivrance, la rédemption en tant que telle, eh bien, c'est faite au matin. » Chaque miracle que Dieu devait accomplir dépendait donc du moment où le peuple d'Israël, et ceci est important à se souvenir, accepterait de contribuer de son propre chef à sa rédemption. En clair, ce que dit Rabbi Akiva, sans une action de la part d'Israël, c'est-à-dire un engagement, un investissement, ce ne serait pas encore la rédemption. Rabbi Akiva rajoutera que même si le Pharaon avait accepté de libérer le peuple d'Israël déjà à minuit, l'esclave hébreu, comme nous l'entendrons chez les 80% d'ailleurs, pouvait toujours dire, ainsi qu'il est écrit dans le livre de Shemot au chapitre 21, verset 5, « J'aime mon maître. Sont-ils si étranges, ces esclaves, ce que nous appelons d'une certaine manière, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, le syndrome de Stockholm, où les voici tombés en amour de leur maître. Je parle des serviteurs. Où les objets sont devenus de manière pleine et entière les serviteurs de leur sujet. C'est-à-dire qu'ils ont accepté en tant qu'objet de l'histoire d'être assujettis au sujet qui les concentrait dans cette Égypte. Vous comprenez que le bas blesse et que l'événement est biaisé. En tout cas, Rabbi Akiva y a prêté garde. La hâte d'Israël de quitter l'Égypte n'était pas une mince affaire, ni à nos yeux, ni à leurs yeux. Voyez combien de fois, d'ailleurs, parmi les 20% qui sortiront, vous avez conscience, dans le livre de Bamidbar, eh bien, nous avons conscience que nombre de ces 20% vont regretter de s'être rendus dans ces pérégrinations, dans ce terrible désert. Ils vont même aspirer à retourner en Égypte. La rédemption, selon Rabbi Akiva, n'était pas la grande, la puissance divine, ni l'accord de l'Égypte de libérer Israël, mais plutôt les actions précipitées d'Israël pour quitter l'Égypte et aller gambader dans les prairies de la terre donnée par l'Éternel. Par conséquent, l'heure de la rédemption qui nous titure l'esprit ici était ce même jour, le matin, et jusque-là, on pouvait continuer à manger du Corban Pessah et à accomplir les mitzvot qui l'accompagnaient. Les quatre Tanaïm, c'est-à-dire les quatre auteurs de la Mishnah, après la chute du Second Temple, les Tanaïm vont commencer à libeller l'ouvrage qui va s'intituler la Mishnah. Les quatre Tanaïm qui ont rejoint Rabbi Akiva ben Azaria et que nous avons cité précédemment
ont accepté cette nuit-là, alors bien sûr, ça peut nous paraître étonnant, mais ils ont accepté de suivre Rabbi Akiva. Disons-le et rajoutons, bien entendu, qu'il est difficile de ne pas faire de lien entre cette nuit du Seder à Bnei Brak et les événements qui ont lieu dans la génération de ces cinq sages Tanaïm qui vécurent pendant la période du grand soulèvement contre le régime dramatique d'Adrien, l'empereur romain, en terre d'Israël, à Jérusalem, alors que nous sommes à la veille de la révolte de Bar Korba. L'Égypte, la rencontre de nos cinq Tanaïm à Bnei Brak et, comment dire, en fond sonore, mais réel, les soubresauts de la révolte de Bar Korba. Alors, je vous dis tout de suite, avec une certaine limitation, qu'en aucun cas je ne suggère une connexion bon marché qui bouleverserait les choses et ferait de la nuit du Seder et de ses mitzvot un simple camouflage des problèmes de l'heure. Non, point. Et je ne veux en aucun cas laisser entendre que toute la réunion des sages de la nuit du Seder aurait été de discuter de la révolte immanente et des rôles qu'ils y joueraient. J'ai bien dit toute la réunion, ce qu'il faut entendre en clair. C'est donc que j'entends bien qu'ils en discutèrent, sans omettre, bien entendu, de traiter des questions inhérentes au Seder de Pessah lui-même. Mais regardez, écoutez où je vous emmène. Malgré les graves problèmes de l'heure, je ne pense pas que ces sages aient écarté, comme je vous le disais, les mitzvot qui ont trait au Seder, mais non des moindres, ils sont conscients des problèmes actuels qui sont excessivement, probants et prépondérants. La phrase, vous la connaissez. Elle n'est pas des moindres. Dans chaque génération, une personne est obligée de se considérer comme si elle était, sortie d'Égypte. Et nous avons tendance à l'expliquer aujourd'hui. Afin d'accomplir ce commandement, certains d'entre nous, le jour du Pessah, enfin, moi qui viens d'un monde où nous étions très peu Pessah, mais en tout cas mon épouse est de tradition rabbinique, et elle me conta que l'on avait l'habitude de mettre une bassine pour me parler de la séparation des eaux, qu'on avait l'habitude de prendre un bâton, de s'asseoir par terre, et bien d'autres choses. Et donc, ce côté qui voudrait, d'une manière folklo-culturelle, nous remémorer ce qui se passa il y a plus de 3000 ans, à l'époque de la sortie d'Égypte, et il me semble que Chazal, nos maîtres, ont compris cette déclaration que chacun d'entre nous doit se voir, se considérer comme si lui-même était sorti. Mais qu'est-ce que cela veut dire aux yeux, aux oreilles, à l'entendement, à la conscience des Tanaïm, bien entendu? Je crois que nos sages Chazal l'ont compris comme les prophètes. Une personne doit continuer à vivre, à exister dans sa propre génération et se préoccuper de la rédemption d'Israël à la lumière des problèmes inhérents à sa propre génération. Mais il doit être capable de lire les événements de son temps à la lumière des événements que furent ceux de la sortie d'Égypte. J'ai bien dit « lire les événements ». En hébreu, l'ikro, qui veut dire lire, la racine koufresh, aleph est polysémique. C'est-à-dire que cette racine veut dire non seulement lire, mais elle dit aussi interpeller. Eh oui, nous ne pouvons lire le texte ou lire l'événement sans être interpellé. S'il n'y avait pas d'interpellation, ce ne serait pas une véritable lecture. Et lorsque je suis interpellé par l'événement, je dois prendre le temps de lire et de déchiffrer l'événement. Quelle grandeur est-il exprimé ici, dans cette leçon de grammaire didactique
de la langue hébreu. Et puis prenons un exemple. Vous savez, enfin la plupart d'entre vous savent que j'enseigne ce qu'on appelle l'historiosophie, la philosophie de l'histoire tanachique. Eh bien, je vais vous raconter un épisode qui, à mon avis, peut servir de levier à notre réflexion d'aujourd'hui, à notre leçon d'aujourd'hui. Le prophète Yeshayahu décrit la rédemption qui arriva à Jérusalem pendant le règne de Chizkiyahou, Ézéchias. En fin de compte, cette rédemption fut réalisée par l'ange divin qui frappa l'armée assyrienne, celle de Sanhérib, aux portes de Jérusalem. La ville fut donc ainsi sauvée de la destruction sûre et certaine. L'armée assyrienne se retira de la région et pendant des décennies, on n'entendit plus jamais parler de ces Assyriens. Le prophète décrit donc la chute de l'Assyrie, l'Assyrie L', bien entendu, comme une continuation de l'exode d'Égypte et de la scission de la mer Rouge. Pour ceux qui veulent s'en convaincre, il faudrait que vous alliez dans le livre de Isaïe au chapitre 11, à partir des versets 12, 13, 14, 15, et au chapitre 12, au verset 4, vous dire un peu de ces mots, où il dit « Et en ce jour, vous direz, voici Dieu est mon salut, je vais faire confiance et je n'aurai point peur, car Dieu, l'Éternel, est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. En ce jour, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, déclarez ses actes parmi les peuples. » Ceci est au chapitre 12. Mais pourquoi donc? Parce qu'au chapitre 11 précédemment, il dit ceci. Et l'Éternel détruira complètement la langue de la mer d'Égypte. Et avec son vent brûlant, il agitera sa main sur le fleuve, le frappera en sept ruisseaux et fera marcher les hommes sur des chaussées asséchées. Ça me rappelle les chaussettes de la duchesse. Et il y aura une voie publique pour le reste de son peuple. Il traverse et il ne restera rien de la Syrie comme il en avait été en faveur d'Israël ce jour où ils sortirent d'Égypte, c'est-à-dire qu'il ne restera rien non plus de l'Égypte. Yeshayahu, le prophète Isaïe, raconte son temps comme si c'était le moment de l'exode d'Égypte. Il voit les miracles de l'Éternel à son époque comme une continuation des miracles de l'exode d'Égypte. Et même sa prière, dont je vous ai lu un extrait au chapitre 12 maintenant, c'est une continuation, à mon avis, une poursuite des prières de remerciement, d'action de grâce de ceux qui quittèrent l'Égypte et de leurs descendants. Revenons à nos moutons. Il me semble, non pas de manière inopinée, mais très certainement, que ce soit ainsi que Rabbi Akiba et ses collègues Tanaïm virent leur propre époque. Ils mirent leur confiance en Dieu et ont demandé l'aide, son aide à l'Éternel, à propos de ce temps-là, de la même manière que l'Éternel, à aider les enfants d'Israël en Égypte. On va aborder le contexte historique de ces cinq Tanaïm durant cette nuit, où ils se sont assis pour discuter de la sortie d'Égypte. Dans la prophétie de Micha, un autre de nos prophètes, au chapitre 7, verset 15, il est écrit « Comme au temps de ta sortie du pays d'Égypte, je lui montrerai des merveilles, au peuple, bien sûr. » L'empereur Adrien, dont je disais un mot il y a un instant, est seul empereur qui se trouve à ce moment-là en Judée, en tout cas sur la terre ancestrale d'Israël. Il va décider de mettre fin, je dirais, à l'exceptionnalisme de la Judée au sein de l'Empire romain. Et lui qui régnait et voulait intégrer culturellement et mentalement le peuple des Judéens, ces Juifs donc, puisque Judéens, Yehoudi, Yehouda, ces Judéens, il n'y a plus Israël,
les Hébreux sont pratiquement dans l'idéal inexistant, mais les Juifs sont ceux qui restent. Alors il veut intégrer culturellement et mentalement le peuple juif dans le Grand Empire. Il pouvait essayer de différentes manières, mais il va en choisir deux. Sous le couvert, le premier par exemple, sous le couvert d'un décret romain antérieur à l'époque de l'empereur Domitien, Adrien interdit la circoncision, la Brit Mila. Le décret précédent pris par les Romains et concernant l'Empire visait à empêcher, entendez bien, la castration, une pratique ancienne qui se serait répandue dans tout l'Empire pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici. Ce décret antérieur était une aubaine pour Adrien. Il décida de l'élargir et d'y inclure l'interdiction de la mitzvah de la Brit Mila. Dans la graphie romaine, nous trouverons même le témoignage qu'il était question d'une action humanitaire. Il était clair pour lui, non pas, nous n'avons pas à nous poser la question à mon humble avis, que de cette manière, il bouleverserait l'identité juive de ces Juifs de Judée, et cela lui permettrait de faciliter l'annihilation totale et dans un temps relativement court de ces rebelles. Deuxième chose, Adrien, vous le savez, va transformer Jérusalem en une ville païenne qui porte son nom d'une certaine manière, Aelia Capitolina. Lui s'appelait Aelius Adrianus. Il s'est même érigé une image sur le mont du Temple, apparemment sur le site même du Temple. Il n'y avait donc aucune chance que les Juifs puissent tolérer ces deux décrets et la menace qu'ils faisaient peser sur l'identité en devenir. Lentement, avec modération et par étapes, la révolte va être fomentée. Elle va commencer à prendre forme, des tunnels souterrains, des armes, des munitions stockées, des exercices d'entraînement militaire furent organisés. Il est donc très possible, dans notre analyse de la littérature hébraïque, que pendant l'une de ces années de préparation, nos cinq Tanaïm se soient réunis la nuit du Seder à Bnei Brak, à la table de Rabbi Akiba, dont je vous rappelle que la position sur la révolte était bien connue. Les cinq Tanaïm, à mon humble avis, ne vont pas traiter nécessairement des questions militaires ou stratégiques, mais je peux penser librement qu'il serait plus raisonnable d'affirmer qu'ils se sont occupés des questions spirituelles qui vont accompagner la révolte, et il ne manquera pas d'ailleurs. Dans quelle mesure, posons la question, Israël fut-il autorisé à une époque d'interdiction des mitzvot fondamentales? Je vous rappelle que le temple est détruit. L'essentiel des mitzvot nationales et sacerdotales ne sont plus. Alors, dans quelle mesure Israël a-t-il été autorisé à cette époque à compter sur l'aide de l'Éternel et s'engager dans une rébellion active? La comparaison historique avec l'exode, la sortie d'Égypte sera, à mon avis, attendue à la lumière des paroles des prophètes. Mais les dangers qui en résultent sont nombreux et énormes. Eh bien, la nuit du Seder est, à mon avis, destinée à une telle discussion. Car le souvenir de la sortie d'Égypte n'était en aucun cas un passé lointain. Ce souvenir de cette sortie est, pour vous, pour moi, pour nous tous, encore aujourd'hui, un cadeau existentiel. D'un côté, la Torah commande explicitement que nous tirions notre confiance de l'exode d'Égypte en temps de guerre contre les nations. Il est ainsi écrit dans Devarim au chapitre 7, je vous cite, « Aux grandes épreuves que vos yeux ont vues, aux signes, aux merveilles, à la main puissante et au bras étendu par lequel l'Éternel, votre Dieu, a octroyé votre délivrance. Ainsi
fera le Seigneur votre Dieu à tous les peuples dont vous avez, dont vous aurez peur. Dvarim, je vous le rappelle, dans la texture du canon biblique, est le livre écrit, c'est-à-dire la parole de l'Éternel transmise par la voix de Moshe, c'est-à-dire qu'il n'est plus simplement le graphiste, mais qu'il est celui qui parle et qui explique aux enfants d'Israël, à travers ce livre de Dvarim, que l'on pourrait appeler le guide bleu de la conquête d'Eretz Israël, eh bien, transmet l'enseignement, traduit l'enseignement. Mais pouvons-nous nous contenter d'une comparaison qui serait peut-être, à votre avis, simpliste, entre deux événements si éloignés et si différents l'un de l'autre? Je vous dirai que nenni, mes amis. Est-ce que Dieu nous a donné une garantie ou une promesse qui nous aiderait dans toutes les situations, même, dirais-je, lorsque le service, l'état des lieux du peuple serait défectueux. Une rébellion violente, ainsi que notre sujet nous révèle, est-elle le seul moyen de résoudre le problème des décrets? Les cinq Tanaïm avaient beaucoup à discuter la nuit du Seder et leurs discussions ont vraisemblablement tourné autour de déclarations qu'ils avaient eux-mêmes faites. Dans chaque génération, une personne est obligée de se considérer comme s'il était sorti d'Égypte. Je viendrai vous rappeler ce que dira Rabbi Oudalevi, le Kuzari, au XIIIe siècle. C'est très important, bien entendu, de sortir d'Égypte. Mais ce qui est plus important encore, c'est de sortir l'Égypte de soi. Dans chaque génération, une personne est obligée de se considérer comme s'il était sorti d'Égypte. Il serait bon que chacun d'entre nous puisse entendre le propos, le son, le rythme et l'interpellation de cette lecture. Je vous rappelle que Rabbi Akiba sera un soutien sans condition à Bar Korba, fils de l'étoile. Il vit en lui un Messie. Il soutient Bar Korba, sa rébellion contre Adrien. C'est peut-être ainsi que nous devons comprendre la déclaration concernant quatre des cinq sages. Vous connaissez? Dans la Gemara de Makot, page 24b, une histoire absolument probante et significative. Un jour, quatre des cinq Tanaïm, avec Rabbi Akiba bien sûr parmi eux, arrivèrent à Jérusalem et ils gravirent les pentes du mont Scopus, à Ratzofim. Et là, alors que depuis le mont Scopus, ils regardaient le mont du Temple, ils ne virent que des ruines. Et ils virent même à un moment donné un renard qui émergea du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Alors ils ne purent supporter plus longtemps et tombèrent à genoux en larmes avec une peine saccadée. Rabbi Akiba ne fit pas que sourire. Il rit. Et nos trois sages de se tourner vers Akiba et de lui dire « Dis donc, maître, pour quelle raison es-tu si joyeux, si jovial ?» Et lui de leur demander « Mais dites-moi, mes bons, pour quelle raison êtes-vous si triste ?» Et lui et eux de lui répondre « Comment est-ce que nous ne serions pas malheureux alors qu'un renard est sorti du Saint des Saints? Mais toi, pourquoi ris-tu ? » Et lui leur répond, entendez bien cette réponse, je la lis pour qu'elle soit, lue dans le libellé tel qu'il est. Il leur répondit ainsi, le texte biblique, bien entendu, le canon biblique, a lié la prophétie
plus tardive de Zecharia, à la prophétie plus antérieure de Ouria. Mes amis, dans la prophétie d'Ouria, le livre de Micha, chapitre 3, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi Tzion sera labouré. Tzion besadet ichanresh, c'est-à-dire que Tzion, la terre d'Israël, sera labourée, détruite. Mais mes amis, leur dit Rabbi Akiba, si dans Ouria il est écrit que la terre sera labourée, antérieurement à Zecharia, lorsque Zecharia au chapitre 8, verset 4, écrit « Ainsi parle Adonai Tsebaroth, le Dieu des armées. Un jour viendra où des vieillards et des femmes âgées seront assis dans les vastes étendues de Jérusalem. » Et je peux vous assurer que lorsque j'ai pris certaines années, mes étudiants et étudiantes, je m'arrêtais toujours dans cette Ira Attica, cette ville ancienne de Jérusalem. Je les asseyais par terre sur les pierres de Jérusalem, près des quatre synagogues, Yohanan ben Zakkai, et je leur lisais cela. Eux qui débarquaient de France et de Navarre, de Suisse ou de Belgique, des contrées du Canada, du Québec. Nous lisions cela et je leur disais, Zecharia, ainsi parle le Seigneur des armées, des vieillards et des femmes âgées seront assis dans les vastes étendues de Jérusalem. Nous sommes tout près avec les synagogues du Yohanan ben Zakkai, de la Métifta, d'un centre d'études. J'avais rarement le loisir de devoir me fatiguer à trouver un vieux et une vieille. Il y en avait toujours. Et il y avait aussi la promesse que les enfants joueraient dans les ruelles de Jérusalem. Et depuis 40 ans que je suis ici, chaque année, je suis le témoin de la prophétie du vieux et de la vieille assis dans les ruelles de Jérusalem et des enfants jouant dans ces ruelles-là. Alors Rabbi Akiba leur dit, aussi longtemps que la prophétie qui était menaçante d'Ouria n'avait pas eu lieu, j'avais des doutes quant à la prophétie de Zecharia, mais maintenant que Tzion besadet ticharesh, que la terre d'Israël a été labourée, eh bien, je suis certain que la prophétie de Zecharia. Et eux répondirent à Rabbi Akiba, Akiba nichamtanu, Akiba nichamtanu. Akiba, tu nous as consolés, Akiba, tu nous as réconfortés. La jovialité de Rabbi Akiba et son exposé optimiste témoignent certes d'une vision du devenir, d'une vision enchanteresse. À la veille du déclenchement de la révolte, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar, Ben Azaria ont été amenés vers ce monde du temple détruit au cours de cette venue. Rabbi Akiba les a consolés, leur a fait entrevoir l'optimisme. Et à travers cela, que faisaient-ils? Eh bien, mes amis, je pense qu'ils... Il leur susurrait, non pas à l'oreille, mais à l'esprit, le fait que la révolte de Bar Korba serait peut-être le moyen de mettre en œuvre, de réaliser la promesse de Zecharia. Rabbi Akiba pensait que le succès dépendait de nous, d'Israël, de nos efforts, de notre courage. Si nous étions capables de nous armer, Dieu viendrait aussi à notre aide. Il considérait aussi, Rabbi Akiba, que la sortie d'Égypte, le jour de la libération, dépendait davantage de la question de savoir ce qu'Israël ferait de ce que Dieu ferait ou de ce que Pharaon, le roi d'Égypte, ferait. Vous entendez cette leçon de Rabbi Akiba? Rabbi Eliezer ben Azaria
qui assumait, lui, les fonctions de Nassi, avec Rabban Gamliel, rencontrait régulièrement les responsables romains. Alors peut-être, peut-être, je vous l'accorde, pensait-il réussir à les persuader dans des négociations d'assouplir les décrets d'Adrien. Rabbi Elazar ben Azaria peut-être pensait que la liberté et l'indépendance supposaient avant tout que le pouvoir d'autodétermination du peuple hébreu soit reconnu par les puissances mondiales. Il estimait donc que les négociations avec l'empereur et ses associés étaient préférables à la guerre. Il a vu minuit, le moment où Pharaon a reconnu la liberté d'Israël, comme le temps de manger l'offrande du Corban Pessah et d'accomplir les mitzvot qui l'accompagnent. Mais c'est également ainsi qu'il a vu sa propre période. Rabbi Eliezer ben Azaria a peut-être pensé qu'il devrait attendre un signe manifeste de la main de l'Éternel dans sa guerre contre ses ennemis, comme cela fut observé à minuit en Égypte, avant qu'Israël n'agisse au nom de sa liberté. Mais lui, Rabbi Akiba, a soutenu contre vents et marées, et surtout contre lui, que les actions d'Israël pour faire avancer leur liberté sont certes la volonté de Dieu également. Les actions d'Israël engagées, entamées, sont également la volonté de l'Éternel. L'essence de Pessah est ce même jour, tel que nous l'avons dit il y a presque une heure maintenant, au tout début de notre leçon. Trois jours avant la sortie d'Égypte, tout Israël a été circoncis et se rend par la suite au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Presque dans un parallèle de l'histoire du temps de Hadrien, quand ils furent circoncis par Ben Kuziva. Eh oui, il ne s'appelle plus Bar Korba, mais l'enfant de la défaite. Ils se sont battus. Rabbi Akiba les a soutenus, mais ils ont échoué. Le seder a été conduit à la table de Rabbi Akiba et c'est son approche qui a apporté le sens du jour et non pas de minuit. Bar Korba va s'emparer de Jérusalem des mains des Romains et commencer à établir le royaume d'Israël, mais du fait de nos erreurs, vous connaissez lequel, la haine gratuite. L'espoir de Rabbi Akiba, le plus grand des sages d'Israël pour cet enseignement de l'amour du prochain, eh bien, va être fourvoyé, dévoyé. La maison d'Israël et le peuple de l'Éternel furent condamnés par l'épée, et Rabbi Akiba lui-même périra sous les peignes de fer des Romains. Mais il y a une chose qui n'a pas disparu de l'enseignement de Rabbi Akiba. La Gemara de Shabbat, page 130a, nous dit « Rabbi Shimon ben El-Hazar a déclaré « chaque précepte pour lequel Israël était prêt à faire le don de lui-même jusqu'à la mort, au moment où un arrêté royal lui interdirait la circoncision, par exemple, ou l'obligation de l'idolâtrie, autre exemple, eh bien, ce don de soi, envers et contre tous les aléas de l'histoire, est toujours fermement existant entre leurs mains, celles des enfants d'Israël. La Brit Mila était fermement maintenue entre les mains du peuple d'Israël pendant des milliers d'années d'exil, 2000 ans. Et pendant toutes ces années, son rêve ultime est resté présent et inhérent à Jérusalem. Pour être un peuple libre, dans un pays souverain, indépendant, le pays de Sion, à Jérusalem. Rabbi Akiba avait convaincu les Tanaïm dans cette nuit du Seder à Bnei Brak que certainement ils ne prendraient pas eux-mêmes les armes, mais qu'ils se voulaient être. Le Zohar nous enseigne ce livre ésotérique
Nous avons l'habitude sur nos feuilles de marquer « Bet Samer Dalet »« Bessiata Dishmaya » avec l'aide que Dieu nous apportera. Le Zohar vient nous enseigner que « Et si jamais vous écriviez « Bet Samer Lamed »« Bessiata Lishmaya » avec l'aide que vous apporterez à l'Éternel. L'aide que nous apportons à l'Éternel est de nous engager et de de nous obliger à militer, à être présent au sein de l'histoire qui nous interpelle et de ne pas rester, bien entendu, dans ce qui est la pire des choses, la pire des malédictions, comme chantait Beko il y a longtemps, l'indifférence. Je crois que l'enseignement de Rabbi Akiba est un enseignement antinomique de cette indifférence qu'il en appelle justement à la prise de conscience. Et ce qu'il demande, en demandant de se considérer comme si nous étions ce jour-là sortis d'Égypte, c'est de savoir, de mieux savoir, car mieux savoir, c'est nous accorder le pouvoir, lequel ? Oh, celui de vouloir. Savoir, pouvoir, vouloir sont peut-être des termes tout à fait nomique, c'est-à-dire tout à fait attaché à cette libération d'Égypte qui eut lieu et qui ne me demande pas de rentrer dans un folklore culturel, mais puisque nous en sommes les témoins ici, dans ce que nous vivons, pour ma part personnelle, depuis 40 ans, pour le peuple d'Israël depuis 71 ans maintenant, eh bien d'être pleinement dans l'engagement de ce savoir, de ce pouvoir, de ce vouloir, et c'est le moment de vous remercier d'avoir été dans une écoute attentive tous, ici présents. Si vous avez des questions, je suis tout ouïe. Merci beaucoup, Rony. Si vous avez des questions, chers internautes, c'est le moment, des remarques, des remerciements, c'est le moment de vous manifester. Je passe un petit bonjour à Nissim Saban parce que cela fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Merci beaucoup. Shalom Alechem. Chazak Ouvarour. C'était très beau. Très, très bien. Chazak Ouvarour. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Todarabah. Todarabah Alechem. Chazak Ouvarour.